l'école numérique Machindano. À cette heure, nous avons français conjugaison. Et en français conjugaison, les amis, j'ai une question à vous poser. Où est-ce que nous sommes? Je pense très très bien que nous sommes en classe. Je vais écrire la phrase au tableau. Nous sommes, vous êtes tous les amis, nous sommes en classe. Nous sommes en classe. Je vais souligner sommes. Sommes, c'est quel verbe, les amis? Sommes, c'est le verbe être. Répétez le verbe être. Conjugué à quel temps, les amis? Conjugué au temps présent. Quel mode? Mode indicatif. Et aujourd'hui, en français conjugaison, nous allons conjuguer le verbe être au temps présent. Répétez le verbe. Le verbe être. Le verbe être au temps. Au temps qui est comment? Qui est présent. Les amis, souvenez-vous. Au temps qui est présent. Souvenez-vous, lorsque nous avions étudié les trois époques du temps, je vous ai demandé le mot qui montre que ça c'est le présent, ça c'est le futur et ça c'est le passé. Parmi les mots-là, qu'est-ce que vous m'avez donné? Vous m'avez donné le mot aujourd'hui. Et nous allons conjuguer le verbe être avec le mot aujourd'hui. Aujourd'hui, les amis, nous allons conjuguer notre verbe être avec le mot aujourd'hui parce que c'est un mot qui introduit, qui montre que la phrase est au présent. La première personne qui vous êtes là-bas, qu'est-ce que vous allez dire? Vous allez dire que je suis en troisième année. Vous écoutez, nous allons dire que je suis en troisième année. Comme c'est aujourd'hui, qu'est-ce que tu vas parler? Tu vas dire aujourd'hui, je suis en troisième année. N'est-ce pas ça, les amis? Mais hier, tu étais en deuxième année. Aujourd'hui seulement, l'autre qui est à côté de toi, tu vas lui dire aujourd'hui, tu es en troisième année. Très bien. L'autre, qu'est-ce que tu vas dire? Aujourd'hui, il est en troisième année. Aujourd'hui, il est où? Aujourd'hui, il est en troisième année. Si c'est une fille, qu'est-ce que tu vas dire? Ça, c'est un garçon. Ça, c'est un garçon. Si c'est une fille, qu'est-ce que tu vas dire? Elle est en troisième année. Très bien, les amis. Aujourd'hui, je suis en troisième année. Aujourd'hui, tu es en troisième année. Aujourd'hui, il est en troisième année. Aujourd'hui, elle est en troisième année. Les amis, aujourd'hui, je donne les trois personnes du singulier. Vous, ce que vous allez faire à la maison, vous allez donner encore les trois personnes du pluriel en augmentant les mots aujourd'hui. Si c'est nous tous ici, qu'est-ce que vous pouvez dire? Si c'est vous là-bas, qu'est-ce que vous allez dire? Si c'est il, qu'est-ce que vous allez dire? C'est ça le devoir que je vous fais aujourd'hui. Merci les amis de nous avoir suivis.
Cliquez sur le bouton exercice pour vous évaluer. Merci.